Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo du dimanche. Bon, il y aura que 4 parties dans cette vidéo. Encore une fois, vous trouverez les timers directement dans la description. Mais on verra que c'est quand même plutôt chargé, hein. Allez, numéro uno, bien évidemment, on parlera de ma chaîne GLG Vidéo sur laquelle j'essaye, moi et Nico, de relancer un peu le dossier. Encore une fois, ça reste une chaîne secondaire, mais c'est une des chaînes qui a le plus de potentiel, mais le plus de facilité pour moi. Encore une fois, faisons ce qu'on sait faire. Les vlogs, machin, ça marche pas de ouf. Voilà, les voitures, ça va. Mais voilà, ce qui marche bien, c'est le high-tech. On va faire ce que fait. Il y a pas mal de questions qu'on me pose et tout. Que voilà, on mettra ça en place. Donc, on commence déjà avec les vidéos du Computex. Je rappelle, j'étais à Taïwan la semaine dernière. J'ai fait des vidéos du Computex. Alors, moi, j'ai préféré plutôt m'orienter stand qui m'intéresse par stand qui m'intéresse. Je me suis dit, voilà, faire un stand, faire une vidéo, mettre une vidéo comme ça. J'en ai environ une trentaine. Donc, ça permet d'écumer une bonne trentaine de jours, voire un peu moins, parce qu'on verra qu'il y a un peu moins. Je mettrai un peu moins de samedi, dimanche, on va commencer d'autres choses, puisque GLG Vidéo, ça permet en fait pour GLG Vidéo de prendre un peu d'avance. Une vidéo par jour, tous les jours, ok, ça c'est pas mal. Là, avec le Computex, ça me permet de prendre un peu d'avance en disant, voilà, le samedi, je vous proposerai de la mini-review. Le dimanche, on fait le giveaway. Une fois par semaine, on en parlera, il y aura la minute solaire, il y aura les 10 jours avec, voilà. Des formats vont arriver tout doucement, ce qui permettra, voilà, quand j'ai rien, de dire je peux mettre un Computex en attendant. Voilà, laissez-moi un peu le temps, mais on part sur une vidéo par jour, tous les jours. Afin de profiter un peu aussi éventuellement de l'engouement des vidéos short et de voir un peu ce que ça donne, donc Nico est passé de JT du Geek EV, ma chaîne de voitures électriques, ça s'appelle JT du Geek EV, si vous connaissez pas, à GLG Vidéo en mode short, toujours mais avec de l'IA puisqu'il n'arrive pas. Il a essayé de parler, il n'arrive pas. On met de l'IA, on fait des textes. Pour l'instant, alors cette semaine, vous avez eu la version 1, 7 jours, où on a essayé de faire un concept, tout, mais voilà, on essuie un peu les plates. Ça veut dire que première semaine, on s'est dit, c'était pas mal, mais c'était pas vraiment ce qu'on voulait faire. Donc on a fait une V2, qui était donc du coup la semaine que vous verrez à partir de demain, où là, c'était pas mal, encore une fois, mais c'était quand même peut-être un peu trop old school pour beaucoup de monde. Les vues sont pas folles, mais c'est des vraies vues de GLG Vidéo. C'est pas des vues short où ils nous en donnent 500 et tout le monde s'en bat les couilles, quoi. Tu vois. Donc on a des vraies vues de vous qui regardez et tout, mais on s'est dit, non, pour la troisième semaine, en fait, on va plutôt aller sur un format que je voulais faire. Je vous laisserai découvrir ça la semaine prochaine, mais c'est mieux. C'est de mieux en mieux. Voilà, on améliore, on corrige, on ajuste. Le problème, c'est que ça dure qu'une minute. Et que c'est pas facile en fait de tout mettre dans une minute et de rendre le truc un peu intéressant et d'imposer, de rendre un peu interactif et tout. Mais là, je pense qu'avec la version 3, donc celle de la semaine, pas celle de demain, hein, celle de la semaine d'après, on commence à être pas mal. C'est un peu plus intéressant. Mais moi, j'ai kiffé, tu vois, préparer les textes et tout. Vous verrez, ça va être pas mal. Bon, vous l'aurez vu sur GLG Vidéo, le samedi, j'essaierai de vous faire une review d'un produit. Par exemple, je me suis acheté les écouteurs Bose boucles d'oreilles, là, voilà. J'essaierai de vous mettre des petits produits comme ça. Il y a pas mal de petits produits que j'ai qui ne mettent pas des reviews. On parlera évidemment de la brosse à dents l'iPhone qui devait être sur GLG Review, mais qui était refusée par la marque, puisque la marque voulait qu'on ajoute un truc avec un tournevis et qu'on compare les deux brosses à dents et tout, machin, mais... Et faut arrêter là, faut arrêter de, faut pas confondre une review avec une publicité. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas tous ces moments-là, c'était refusé. Alors j'aurais dit, allez vous faire avec un mot qui finit par et. Donc je me dis, bon, la vidéo, comme elle est faite de toute façon et que le produit sur Amazon, qu'on peut mettre de l'affiliation, c'est une vidéo qu'on va mettre éventuellement sur GLG Vidéo, puisque quand ils sont un peu casse-couilles comme ça, moi je préfère abandonner tout de suite, parce qu'après tu le renvoies, il faut modifier ci, ça. Ce qui sera également le cas d'une des vidéos que j'ai en stock, une vidéo de XVPN, pas mal, hein, 12 protocoles, truc, elle avait assez intéressant. Le mec parlait pas un mot d'anglais, donc il a fallu lui envoyer tout le script en anglais, mais on fait pas tout écrire, donc je lui ai envoyé un plan de ce que j'allais faire en anglais, je fais la vidéo, donc du coup en français. Et là, il me dit, oui, mais alors, vous dites quoi? Moi, je comprends pas. Il faudrait m'envoyer tout. En plus, il me dit, oui, faudrait tout m'envoyer en anglais pour qu'on puisse voir. Et donc, du coup, on vous enverra les choses à modifier. C'est quoi? Déjà, le truc, t'en fais le truc. Déjà, il veut dire ce qui va pas, ce qu'il faut modifier. Et pareil, tu dis, mais c'est pas une publicité, c'est une review. Je parle de tous les trucs du produit, comme sur tous les VPN. En plus, le truc, il était pas mal. Mais il faut arrêter de modifier les trucs. Ouais, mais il faudrait nous envoyer tout ce que vous avez fait en français en anglais pour qu'on voit ce qui va pas. Genre là, vous m'avez cassé les couilles, tu vois. Soit c'est comme ça, soit c'est non. Le mec m'a dit non, il va vous faire foutre. En gros, hein. Mais non, c'est non, on préfère laisser tomber. Donc la vidéo est prête. Alors là, il n'y a même pas d'affiliation. C'est une vidéo que je vous mettrai justement sur GLG Vidéo un samedi, puisque voilà, la vidéo elle est faite, le VPN il est pas mal.
Moi, j'ai bien aimé en plus, mais bon, après, voilà. Quand les mecs sont un peu cons comme ça, alors ils parlent que anglais, qui cherchent la petite bête, machin, il faut que vous parliez de ça, si, ça, truc, ça, ça nous va pas et tout, en plus, dans truc. Bon, après, il y a marqué Bitterrand, il me dit ça de pas en parler, on est d'accord. Mais il y a pas mal de trucs, voilà. Bon, mais quand ils saoulent comme ça, on passe à autre chose. On a pas mal de partenaires qui nous laissent faire. C'est le but d'une review, sinon ça s'appelle ça une publicité. Allez, numéro 2, on parlera évidemment des grosses news de la semaine. Je vais pas vous faire toutes les news de la semaine, les grosses news. C'est évidemment le W machin de chez Apple. Voilà. Qui, voilà, chez Apple, on parle pas d'IA, on parle de Apple Intelligent. Voilà. Donc, je sais pas, j'ai pas trouvé ça. Je m'attendais vraiment à un côté waouh, mais les côtés waouh, c'est vrai, c'est le truc qu'on voit avec Dali qui parle et tout. Là, c'était non, c'était plutôt ouais, bah on est à la bourre, on va vous mettre du chat GPT avec du Siri, c'est pas mal. Pas mal d'IA, de fonctions et tout, qui moi ça m'intéressait pas trop en fait, toutes ces fonctions incroyables. Jusqu'au moment où il te dit non, mais attends, si vous n'avez pas un iPhone 15 Pro Max, 15 Pro, 15 Pro Max ou le 16, vous n'aurez pas tout ça. Moi, j'ai un 14 Pro Max qui est très très bien, mais de là à changer au mois de septembre absolument pour avoir tous ces trucs dont en fait, bah tout le monde bat les couilles, en gros, tout ça, voilà, c'est bien, j'aurais bien aimé avoir, j'aimerais bien avoir un chat GPT, un Siri avec chat GPT parce que c'est intégré et tout, mais je m'en fous, et en même temps, je l'aurais peut-être sur mon iMac ou sur mon MacBook Air, je crois, qui a un M2. Donc je me suis dit, ouais, pas d'effet waouh, pas mal de trucs super intéressants et tout, mais des trucs dont je me servirai jamais pour la plupart et tout, donc j'ai pas trouvé un intérêt incroyable, et c'est là que je me suis dit, ouais, bah, changer, je pense comme tout le monde, mon iPhone 14 Pro Max ira jusqu'au bout, je suis pas sûr de racheter un nouvel iPhone, je serais plus chaud, tu vois, pour un nouveau Samsung, plutôt sympa avec la bague et tout, voilà. Bon, on verra ce qui va sortir, mais pour l'instant, je sais pas. J'ai toujours mon Samsung 11 Plus Ultra, je crois, un truc comme ça. Celui que j'avais fait la review. Et mon Apple, et personnellement, je pense comme beaucoup de monde, bah tant qu'ils tiennent, ils vont très très bien. Moi, ce que je veux, c'est de faire des belles photos et aller sur Internet et le réseau. Et tout leur machin de survendage, là, pour moi, ça nécessite pas de changer. Je suis pas assez geek, ni assez riche, pour dire je vais absolument changer, parce que sinon, j'ai pas tout ça. Vous me direz ça en commentaire. Une des grosses news qui est assez sympa, c'est la deuxième caméra Insta360 qui sort de d'Insta360. On avait déjà eu la X4, je crois, qui est sortie dernièrement et tout, donc nous, pas de nouvelles du tout. Hein. D'ailleurs, on voit, il y a eu beaucoup, beaucoup moins de vidéos que d'habitude. D'habitude, le truc sort, voilà, tout, là. Voilà, c'est les plus gros, les plus fidèles, et peut-être les plus dociles, je ne sais pas. Encore une fois, j'ai pas regardé toutes les vidéos et tout, mais je vois qu'il y a McKinnon qui est sorti dans les Américains, des choses comme ça. Ils l'ont sorti un peu en 4000. Je pense qu'ils ont préféré miser sur les plus gros youtubeurs où ils sont sûrs et tous les autres parfait. Moi, comme je suis un casse-couille, parce que voilà, encore une fois, c'est une review, c'est pas une pub. Ben, ils m'ont même pas contacté. Je pense que si je la relançais, machin, elle me dirait oui, mais en fait, le problème, c'est quand tu relances une marque en leur demandant le produit. T'arrives un petit peu avec le cul devant, tu vois. Eh, s'il vous plaît, j'aimerais bien tester votre produit. Donc là, les mecs, ils se sentent fortes, c'est leur condition ou rien. Leur condition, leur prix ou rien. Que quand c'est eux qui viennent à toi, ils disent, oh, on veut ça, nanana, tu vois, moi, je suis pas trop chaud, tu vois. J'ai les nouveaux chargeurs Baseus, j'ai une nouvelle caméra 70 mètres, j'ai pas mal de trucs, toi, les mecs viennent, ils disent, ouais, on veut. Là, ils veulent, c'est plus facile de dire, voilà, vous voulez mes conditions, c'est ça. Sinon, voilà, après, t'es un peu obligé de faire le. Pas dire la pute, mais voilà, c'est leur condition à eux, t'es obligé de les accepter, si tu veux la caméra. Et en fait, je suis toujours un peu comme tous les ans, à courir derrière la dernière caméra. Ah, j'aimerais bien la nouvelle X4, j'aimerais bien celle-là. Mais pourquoi faire? On verra que ma meilleure caméra vlog, c'est celle avec laquelle je vous filme, que j'ai mis un micro Sennheiser dessus, que la qualité, elle est trop bien, et que c'est quasiment la caméra vlog ultime, et que j'ai pas besoin de mieux de la X4 de machin, si ce n'est un problème de geek, d'avoir absolument la dernière caméra. Donc, voilà, courir après la dernière nouveauté et tout, non. Voilà, donc après, il me l'aurait contacté, il me l'aurait envoyé, ça aurait été avec plaisir, que je l'aurais mis avec les autres, ma connexion. Mais sinon, bah non, j'ai pas pu faire. Mais la caméra a l'air sympa, en 4K, micro et tout. Il y a des applications, je pense que les gens qui envoient l'application d'avoir une petite caméra compacte, nananana, vont se jeter dessus, elle est trop bien. Les autres vont se dire, ouais, pourquoi faire? Allez, numéro 3, film et série télé de la semaine, je vais vous parler des meilleurs, des bangers que j'ai vus, encore une fois. Série Eric, encore une fois. Alors, je pense que c'est la série qui serait complètement passée à l'as s'il n'y avait pas Doctor Strange dedans. Ou son nom est trop compliqué. Je n'arrive pas. L'acteur, il est très très bon, donc aussi c'est pas mal. Bon, forcément, quand j'ai vu la vignette, bon, tu comprends.
la vignette, il y a un monstre derrière, donc tu dis pas mal. Mais ouais, j'en ai fait une vidéo en disant, ah, c'est la série de l'année, donc voilà, ça m'intéressait pas mal. Il y avait le mec, j'ai vu la vignette avec un monstre et tout, je m'attendais à un truc un peu fantastique. Mais ouais, j'ai dit que c'était génial. J'ai regardé la vidéo et forcément, oui, c'est... série était vraiment géniale et tout. Ces trucs, voilà, un peu comme mon petit Raid, ces trucs on s'attend pas, mais ça arrive quand même, il y a un rebondissement, les histoires s'entremêlent et tout. Très 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 bonne série que je vous conseille expressément. Deuxième sortie de The Alcoholic. N'importe quoi, mais arrête-toi, toi, l'autre série. The Alcoholic. C'est bien, je préfère dire Alcoholic. Alcoholic, oui, c'est Alcoholic. Nouvelle série Star Wars et tout. Les deux dernières, à part Yoda machin là, bébé Yoda Mandalorian, tous les autres, franchement, les dernières, c'était quand même relativement. Soit j'ai pas regardé, j'ai à dire, Obi-Wan, j'ai même pas regardé, je crois que j'ai regardé le début du premier, pareil. Après, il y avait Osaka machin, pareil, je crois que j'ai regardé pas, tu vois. Là, je me suis dit, bon, ils ont dit du bien, j'ai regardé le premier. Ouais, c'est... en fait, disons que c'est pas, on va dire que c'est pas, on va dire que c'est bien, mais c'est pas nul. Les autres étaient tellement nuls. Dès le début, que là, tu dis, ouais, bof, c'est pas mal. Les Jedi, ils sont un peu en carton et tout. Enfin bon, il n'y a plus Laura, machin. J'ai regardé 1, 2. J'ai pas encore regardé le 3. J'ai regardé la vidéo de Mérès ce matin sur le 3. Ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie. Et je me suis dit, ouais, franchement, bon, voilà. Après, voilà, je suis génération Star Wars. Je suis né l'année. Le premier Star Wars est sorti en 78. Je suis né en 78. Je me suis dit, ah là là. Non, mais voilà, c'est le, quand même la culture geek ultime. Mais on est d'accord qu'ils en ont fait n'importe quoi. Pas mal. Allez, on en a parlé également sur X, bah sur ma vidéo sur XVPN, est disponible sur Netflix US uniquement, le film Hitman, nouveau film Hitman, encore une fois, ça prend le truc, là, je t'en fais, encore une fois, mais j'en avais parlé, donc ça m'a donné envie de le voir. Il faut absolument avoir un VPN US pour pouvoir le regarder, puisque même en Asie, il n'y est pas, mais quand tu mets ton VPN et que tu mets US, eh ben, tu vas sur ton Netflix et tu as accès à cette série. C'est une petite comédie, non, c'est un film, mais c'est une comédie, c'est très, très, très sympa. Au début, je me suis dit, ouais, truc, et en fait, il joue des acteurs et tout, tu sais, il prend les, comment dire, les... il s'intègre dans le personnage et tout. C'était plutôt sympa et ça se regarde super bien. Je passais un bon moment et tout. Lui, il joue super bien. C'est super sympa. Donc, si vous avez Netflix et que vous avez un VPN avec possibilité de vous connecter aux États-Unis, c'est un film que je vous conseille. En plus, comme je dis dans XVPN, que l'autre, il comprend rien. C'est pas du piratage. C'est-à-dire, tu payes. Moi, je paye mon Netflix maintenant. Parce que j'ai peu peur avec les partages, machin. Voilà. Donc, je paye mon Netflix. Je me connecte à un VPN. Le truc est dispo. Je regarde. Voilà. On est dans la légalité totale. Nouvelle série The Boys, disponible sur Amazon. Alors moi, je vous cache pas, The Boys, c'est une des séries que ben, j'aime pas tant que ça, en fait, tu vois. J'aime parce que c'est trash, et parce que c'est trash, voilà. Ça, j'aime bien. Après, la série en elle-même, depuis la saison 1, j'ai pas trouvé ça terrible. Saison 2, ouais, voilà, c'est sympa à regarder, parce qu'il y a toujours des scènes auxquelles tu t'attends pas. Saison 3, hein. Saison 4, pareil, j'ai regardé le premier épisode, la moitié du premier épisode, je me suis dit, putain, c'est vraiment pas terrible. À la fin du premier épisode, c'était mieux. Enfin, c'est quand même un peu plus sympa, on commence à rentrer dans l'intrigue, ça m'a donné un peu plus envie de voir. Alors c'est le truc, je regarde, toi, genre un par jour, hein, parce que là, il y en a 3 disponibles, c'est vraiment, je cours pas derrière. Et l'épisode 2, c'était pas mal, avec les conspirationnistes, les théories du complot et tout, ça, je me suis régalé. Il y a toujours une grosse scène de cul inattendue dans tous les trucs bien trash où tu vas avoir de la bite, t'en vois, hein. Et là, en double, là, il y a vraiment une scène dans le sauna, si on a convu, ils vont comprendre, où c'est vraiment le truc, le mec, il ouvre la porte, tu regardes, tu fais... Ils ont osé faire ça. Voilà. Il y a des trucs qu'ils osent faire. Ils osent parler et tout. Voilà. Ça, c'est bien. Après, en elle-même, la série, moi, je trouve pas ça terrible. Tu vois, bon, c'est chiant. Enfin, c'est chiant. Ça tire en longueur. Les scènes durent 1h30. Enfin, un épisode, alors que voilà. Donc, ça tire en longueur. On sait pas trop où ça va. Ça tourne un peu en rond, mais il y a des scènes trash. Et en fait, il y a toujours un peu comme dans les films d'horreur. Il y a toujours le truc un peu inattendu qui tombe dessus où tu dis, ça, je l'ai pas vu venir. Avec le poulpe et tout. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs. Ça tombe, tu dis ça, j'ai pas vu venir, et c'est pour ça que je regarde. Sinon, en elle-même, la série, pas folle. Et enfin, une de mes séries pour l'instant préférées, c'est Dark Matter sur Apple TV. Encore une fois, ils découvrent les mondes parallèles, donc il y a une possibilité. Il y avait une série comme ça sur M6 où vous avez un truc. Oh, ça s'appelait Slider et tout. C'était pas mal les mondes parallèles. Bon, là, c'est le même principe avec une autre intrigue et tout. Bon, comme c'est Apple qui finance, du coup, ils vont un peu plus loin dans les mondes.
tu vois, on visite des mondes qui sont un peu plus soit désertiques, soit nucléaires, soit paradisiaques, soit... Bon, c'est pas mal. Bon, là, le problème, c'est que dernière, c'est l'épisode de la semaine dernière, c'est tourné. Là, on arrive vraiment sur la fin où tu dis, t'en vois pas le bout de cette histoire. Moi, je pensais qu'il allait visiter des mondes tout le temps. Non, lui, il veut absolument retrouver son monde. Voilà, alors qu'il y a mieux. Alors, quoique sa femme, elle est quand même pas mal. Carrément, ça vaut le coup de la revenir. Mais il aurait pu la pêcher ailleurs. Bon, revenons-en. Il a essayé. Voilà, bon, vous verrez la saison. Comment vous dire? Ouais, c'est pas mal. Après, là, on arrive sur la fin de la saison. Tu te dis, pff, on voit pas comment ils vont pouvoir aller loin avec cette histoire-là. T'as l'impression qu'après, voilà, c'est bouclé, nanana. Après, l'autre, il a bétonné la porte, mais il a débétonné et tout. Bon, ça reste une série qui est, voilà, c'est intéressant parce que tu te demandes où ils vont aller. Ils ont le budget, la série, il y a un potentiel qui est énorme. Bon, pour l'instant, ils sont pas allés au bout du dossier, mais c'est bien. Et enfin, comme toutes les semaines, petit giveaway de la semaine. Alors, je devais faire les giveaways quand j'étais à Taïwan et non. Je me suis dit non, en fait, ça va, il y avait un truc le jour, un truc le lendemain, et après, donc du coup, la semaine où je suis à Taïwan, j'ai publié beaucoup, donc je savais que la semaine suivante, il allait y avoir pas mal. Je vous rappelle, chaque fois que vous mettez un commentaire en dessous des vidéos sur GLG Review en citant le nom de la marque, vous participez automatiquement au giveaway de la semaine. On fait le tirage. Alors là, cette semaine, il y a beaucoup. Il y a le Ulefone Pal, le Armor, le Geekom, le Baseus Esport, le Wokitel, le Cuctech, le OM. Donc ça fait quand même 7 chèques cadeaux au minimum. Et encore une fois, plus il y a de commentaires, plus le chèque cadeau est élevé. C'est pas moi, c'est Amazon qui vous l'envoie. Et j'ai inclus la brosse à dents de samedi. Donc il y a très peu de commentaires sur la brosse à dents. Si c'est pas encore fait, je vous invite à aller voir directement cette vidéo sur la chaîne que vous regardez maintenant, suscitement présentement. Et d'aller mettre un commentaire sur la l'iPhone, parce que là, vous avez vraiment beaucoup de chances de gagner, parce qu'il y a beaucoup moins de commentaires que sur GLG Review. Même s'il n'y en a pas beaucoup, mais en même temps, je me suis dit, à part Vibroquin, les deux nouvelles chaînes de Vieux Requin, bah les autres, ils ont tous 100 fois plus d'abonnés que moi et pas plus de commentaires. Donc c'est que ça va. Allez, comme à chaque fois, on prend pour la Ulefone Pad. Bravo, tu es le gagnant. Nanana. Je prends le commentaire ici. La Ulefone Pad, il y avait 110 commentaires. Pas mal. Donc pour moi, ça sera de 1 à 55 puisque je réponds à tous les commentaires. C'est un des challenges. Le commentaire gagnant, ça sera le 16. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. S'il a bien mis Ulefone, il gagne. S'il n'a pas mis Ulefone, on prend le commentaire suivant. Vous pouvez gagner qu'une seule fois par dimanche. C'est les règles. Donc là, en plus, c'est un commentaire qu'on voit souvent, c'est bien. Bonjour à Ulefone, Greg. Donc bah, oh, c'est toi qui as gagné. Donc comme toujours, hein, je vais couper cette partie-là. Je réponds au commentaire du gagnant. Je mets son pseudo dans la liste ici. Et on va attaquer directement le suivant. Allez, vidéo suivante, Ulefone Armor Pad 3, il y a 88 commentaires, donc pour nous ça fait 44, ici on valide, pic, 41, donc 41 ça fait 3 en partant de la fin. Donc oui, hein, on va faire un peu plus simple, encore une fois le but c'est pas de contrôle d'huissier, hein. Le but c'est d'en désigner un. Donc là ça fait le commentaire 44, j'ai dit, 41 commentaires, 41 sur 44. Ok, donc là c'est 44, 43, 42, 41. C'est ta wesh, cette tablette. Bah c'est encore toi qui as gagné, dis donc. Andra, c'est ça? C'est bien toi qui avais gagné tout à l'heure. Donc on a dit que tu pouvais gagner qu'une seule fois. Donc désolé, bravo. Bravo déjà de gagner autant. Non, qu'une seule fois par dimanche pour laisser une chance. Donc on prend le commentaire suivant. Et le commentaire, c'est celui qui est en dessous. Donc lui, il a pas mis. Et lui, il a mis. Voilà, donc le commentaire du gagnant, c'est Blanjo. Voilà, encore une fois, c'est pour laisser la chance à tout le monde. J'invente pas les règles, c'est les mêmes à chaque fois. Ici, hop, on prend le commentaire, on copie, je vais le mettre dans ma liste. Allez, on continue avec le Geekom. Le Geekom A8. Combien on a fait? 124 commentaires, ça nous fait du 60, 62, à peu près. Environ, hein. À peu près. 62. Generate 31. Bah, ça fait bien la moitié. Bravo. Bravo, bravo, les tricheurs. C'est pas du tout. 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, il n'y a pas de logo là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31. Et voilà. Et donc le commentaire, bien évidemment, du gagnant, c'est... Clafoutis, je vous rappelle à tous les gagnants, vous m'envoyez un mail à admin@jtgeek.com. En plus, je l'ai mis maintenant exprès.
Sinon, vous êtes dans à propos, vous m'envoyez un screenshot de votre commentaire pour prouver que c'est bien vous le gagnant, avec votre email qui est lié à votre compte Amazon. Voilà, si c'est pas le même que l'email avec lequel vous m'écrivez, parce que je sais qu'on a déjà eu des problèmes là-dessus. Et voilà, je mets dans ma liste. Allez, commentaire gagnant suivant. Les écouteurs Baseus, qui sont mes écouteurs que j'utilise tout le temps, mes écouteurs préférés. 72 commentaires. 72, ça fait 35, 36. Facile. De 1 à 36. Commentaire du gagnant, c'est le 16 ici. Allez, 2, 4, 6, 8, 10. Oula, attends, j'ai perdu le fil. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. J'adore la marque Baseus Fantomas. Pas reconnu Fantomas. Moi, j'aurais ton mail, Fantomas. Attention, je saurais qui tu es. Bah, bravo à Fantomas. Si, je mets dans ma liste. Allez, autre jeu, Wookitel WP35. Là, il y avait 100. Il y a un engouement pour la marque Wookitel, c'est un truc de ouf. C'est quoi les prochains? C'est du Ulefone. 159 commentaires. Comme quoi, on voit bien qu'il y a des produits. Waouh, hein, ça commence. Et une autre où tout le monde s'en bat les couilles. Ça regarde parce que bah, vous m'aimez, hein, forcément. Mais sinon, ça commente pas. Pas de là à m'envoyer les messages d'amour. Bon, ça... 159 divisé par 2, ça fait au moins 50, 75, 70. 159 divisé par 2. 79. J'ai pas envie de compter. J'ai pas envie de compter. Là, ça faisait trop 79. De 1 à 79. Et c'est le commentaire numéro 16. Facile. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et le commentaire, au vu des bugs, mon Xiaomi, ce sera mon Wookitel WP30, le prochain tel. Ah ben voilà, très bien, félicitations. T'as bien mis Wookitel, on est pas mal. Ici, donc là c'est Gallium, on n'y a pas gagné. Hein. Bien d'accord. Si, tac, et c'est Gallium, je mets dans ma liste. Allez, on continue avec le nouveau, c'est le Cuctech surpasse tout. Ok, Cuctech surpasse tout, sauf les commentaires. 112, ça fait 60, 50. 5, 56, à peu près. 56, 112, c'est ça. De 1 à 56, 45. C'est un gros chiffre, hein, 45. On va faire du depuis le début? Allez, soyons fous. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 et 45. Je vais acheter le matériel, plus qu'à essayer la marque Cuctech. Eh bien, écoute, bravo, Alex. Tac, ici, le gagnant, c'est toi. Ça va vite aujourd'hui, hein. T'as vu que t'as pas pour déconner. Je mets dans ma liste. Allez, et enfin, dernière vidéo, le gimbal OM avec l'intelligence artificielle. Il y avait 81 commentaires. Ça fait du 40 et demi. Donc, on va mettre 41. C'est vraiment... Ça, c'est un gros chiffre, on part de la fin. 6. Ok, eh ben c'est parti. Facile, 6, c'est facile. 6. 2, 4, 6. Et le gagnant, c'est décembre 07. Hello, joli gimbal. Je ne connaissais pas la marque OM. Beau produit, merci. C'est bon, il a mis la marque OM dans son commentaire. Et ben bravo. Ça, c'est bien, à part notre premier gagnant là, qui a beaucoup prié. À part comment il s'appelait, Andra qui a prié beaucoup pour gagner. T'as trop prié, mec. Ça veut dire que t'as deux fois t'as gagné. Et on a dit une seule fois pour laisser un peu de chance à tout le monde. Hein, quand même. Là, il y avait beaucoup de. Il y avait beaucoup trop de jeux pour que tu rafles tout. Il faut que tout le monde ait sa chance. L'intérêt, c'est que plus il y a personne qui gagne, plus ben, nous, on envoie des chèques cadeaux. Ça, c'est bien. Et plus on a personne contente qui vont revenir mettre des commentaires. C'est comme ça que la machine prend. Voilà. Donc, on félicite nos gagnants. Andra, voilà. Andra Deon Ruby.
Blanjon, Clafoutis, Fantomas, Galliane, Alex et Décembre. Voilà, donc félicitations gagnants. Encore une fois, vous m'envoyez un mail admin@jtgeek.com. Normalement, c'est dans le commentaire. Avec un screenshot comme quoi c'est bien votre compte et votre commentaire, votre email, vous mettez bien vous voilà l'email qui correspond à mon compte Amazon, voilà, et les chèques cadeaux partiront expressément, c'est pas urgent, hein, vous inquiétez, parce que souvent on attend d'avoir tout le monde pour être sûr, donc ça sera plutôt fin de semaine, tu vois, voilà, après, un petit peu quand même. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle, j'ai également mis ma vidéo sur WTSBGG, ma chaîne vlog, où je suis allé chez McDonald's en Thaïlande, où il y avait des hamburgers avec du pain noir. Je sais que la vidéo a tout de suite bien décollé ce matin. Hein. Bah oui, hamburger au pain noir chez McDonald's, je n'ai jamais vu, comme c'est McDonald's Taïwan. Je voulais voir un peu la différence entre le McDonald's chez vous, WTSBGLG. Je pense que vous devrez arriver à trouver si vous n'êtes pas déjà abonné. N'oubliez pas d'aller sur GLG Vidéo. Bah non, vous y êtes, donc tout va bien. De vous abonner et de regarder un peu les vidéos, les concepts qu'on essaie de faire. Voilà, le but serait vraiment d'essayer de faire... Alors, au-delà du short, où pour l'instant, on essaie un peu le truc pour lancer la machine, c'est vraiment le but de faire une vidéo par jour, tous les jours, avec des vidéos différentes. Samedi, dimanche, on est blindé. On va avoir la minute solaire, on va avoir 10 jours avec, où je vais passer 10 jours avec le produit et j'expliquerai un peu mon ressenti. Il y aura une mini review la semaine, parce que j'ai plein de petites merdes, vous voyez, comme ces câbles là, qui indiquent la puissance pour savoir à combien tu charges et tout, ou ce petit adaptateur, ou des caméras espions que j'ai commandé sur, AliExpress pour vous donner un peu mon ressenti. J'ai pas mal de petits produits comme ça, et après il restera deux formats la semaine, donc il y aura la minute solaire, 10 minutes avec, la mini review, le samedi il y aura la review, le dimanche il y aura... le giveaway, donc ça fait déjà 5 jours sur 7. Donc soit on laissera un jour pour vous laisser un peu le temps de respirer, ou alors on cumulera avec les Computex, parce que j'en ai beaucoup d'avance. Voilà. Et n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce en l'air si vous avez aimé ça, ou votre pouce en bas si vous n'avez pas aimé ça, encore une fois, c'est bien aussi pour l'algorithme. Me mettre un commentaire, parce que ça fait plaisir. Je vois que sur GLG Vidéo, vous n'y arrivez pas encore, mais vous pouvez le faire. Et puis, bah, on se donne rendez-vous cette semaine, et sinon dimanche prochain pour le giveaway. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, bon week-end, et à la semaine prochaine.